Un excellent entretien avec le président de la Chambre des représentants. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de rencontrer M. le président de la Chambre. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être à nouveau à Rabat. Cette fois-ci, c'est ma dernière mission en tant qu'ambassadeur accrédité auprès du Royaume du Maroc, résident à Paris, parce que je suis venu annoncer officiellement la nouvelle de l'arrivée très prochainement, dans les prochaines semaines, d'un ambassadeur de Cuba qui va siéger à Rabat et qui va procéder à l'ouverture de l'ambassade de Cuba au Royaume du Maroc. Pour nous, c'est un moment important, un pas important dans le renforcement des relations diplomatiques entre Cuba et le Royaume du Maroc. Le Maroc a ouvert son ambassade à Cuba l'année passée et, en réciprocité, nous avons bien voulu donner aussi les pas et ouvrir notre ambassade très prochainement avec l'arrivée de notre ambassadeur qui va siéger à Rabat. C'est la bonne nouvelle que je viens présenter aux autorités et au Parlement du Royaume du Maroc.